Yu-Gi-Oh! Surprise! C'est pour moi? Ouais. Oh, ce sont les truffes au chocolat de cette boutique prestigieuse? Pourquoi acheter ça si soudainement? Dans le village où j'habitais avant, aujourd'hui ça serait la Saint-Valentin. C'est une journée où l'on donne des chocolats aux personnes dont on est proche. Et ça peut être aussi considéré comme la fête des amoureux. Hein? Kirito, tu as retrouvé la mémoire? Pas encore, mais mes coutumes font partie de moi, alors je m'en souviens un peu. Ah, je vois. J'ai bien fait gaffe. Je pense que généralement, ce sont plutôt les filles qui doivent en donner aux garçons par qui elles sont attirées. Mais ça me semble pas être comme ça par ici. On nous rend généralement l'attention un mois plus tard. Rendre? Oui, on rend l'appareil si tu préfères. Par exemple, avec des biscuits à la crème ou une tarte au miel. Donc, c'est ça que tu veux, n'est-ce pas? Attends, Yu-Gi-Oh, t'as mal compris, je suis pas aussi gourmand que ça. Même si j'aimerais bien manger une tarte au miel. Ce que je désirais bien plus que ça, je voulais te parler du monde duquel je viens. Une fois que j'aurai découvert comment contacter le monde réel, je t'emmènerai avec moi. Eh bien, tu n'as qu'à venir goûter les chocolats. Il est écrit sur le paquet qu'ils sont faits avec des fèves de cacao du Sud. Ils sont délicieux, je les aime bien. Je me demande s'ils sont vraiment aussi délicieux que ça. Ça avait l'air d'être du chocolat noir, mais ils ne sont pas amers. Ils ont un goût doux et chaleureux, un peu comme Kirito. Qu'en dis-tu, Yu-Gi-Oh? À ton visage, tu les trouves délicieux toi aussi, n'est-ce pas? Pas mal. Le mois prochain, tu m'achèteras tout ce que je veux manger. Hein? Est-ce que tu n'aurais pas essayé de m'embobiner avec ton cadeau? Pourquoi tu dis ça?